Diverti Events. C'est une agence d'événementiel. Nous sommes créateurs de cohésion d'équipe pour les entreprises. Nous avons un catalogue de 42 activités différentes. Nous proposons aussi de la facilitation en intelligence collective. L'idée, c'est vraiment de résoudre une problématique d'entreprise. Maintenant, ça va faire 3 ans qu'on est accompagné par Semawi sur la mise en place d'Holacracy dans notre management donc d'équipe. L'idée aujourd'hui, ce n'est plus de parler de postes, de fiches de poste ou des choses comme ça, mais de rôle, de redevabilité avec une raison d'être. Par exemple, aujourd'hui, on a un rôle, l'escrocmercio. Ta raison d'être à l'escrocmercio, c'est commercialiser des moments de cohésion d'équipe dans toutes les entreprises. L'idée, c'est de passer d'une hiérarchie pyramidale à une hiérarchie plutôt horizontale où chacun peut avoir plusieurs rôles. Donc, il y a un rôle entre guillemets qu'on appelle contractuel, donc pourquoi on est entré dans l'entreprise. Mais à côté de ça, je vais avoir des rôles annexes. Ça permet aussi dans la communication en interne de ne pas forcément s'adresser à une personne, donc d'être aussi dans une communication non violente et de pouvoir s'autoriser cette légitimité d'aller voir un rôle parce qu'il n'a pas respecté ses redevabilités et de ne pas aller voir quelqu'un parce qu'il a mal fait son boulot. Nous, tout de suite, quand on pense juridiquement, on se dit « bon, il faut déposer des choses ». Et en fait, non, en effet, une charte, le fait d'avoir déposé Holacracy, d'avoir une convention qu'on a signée, c'est des aspects juridiques qui sont ancrés. Vraiment, je pense que sur cette charte où on s'y perdait un petit peu, le fait, en fait de l'avoir corrigée, de nous l'avoir renvoyée avec des modifications, des commentaires, ça nous a aidé à la reformuler et de pouvoir justement l'amener maintenant à cette intervenante qui nous accompagne sur tout l'audit de toute l'entreprise, quoi.